de l'aubergine, et ça c'est un petit filet de maquereau avec du piquinos. Je mets dessus. Truc de banca, fumée maison, guacamole et œuf de saumon. Voici donc ici pour madame la poulette accompagnée de sa confiture d'algues, artichauts à la barigoule, quelques bulots, quelques agrumes et en sabayant à base de jus de bulot. Pour monsieur, la déclinaison autour du cochon de quinoa. De gauche à droite, vous retrouvez pour commencer le millefeuille avec les oreilles du cochon. Ensuite, la poitrine du cochon déglacée dans une sauce aigre douce. Pour continuer, le filet mignon revenu dans une huile de chorizo. Et enfin, le croustillant canaille avec le carré et le couston du cochon. Le tout accompagné d'une purée de pommes de terre d'agata, quelques girolles truffes blanches d'été et un jus de cuisson. Avec la cuisse, cette fois-ci, de la poularde, la cuisse qui a été gratinée avec une pâte de soja, accompagnée de quelques agrumes. Et pour monsieur, un granité de sorbier, mousse légère au champagne rosé et graines de riz soufflé. Ces différentes textures, vous avez donc le chocolat fondant dans le cône, juste à côté un entremets à la fève de tonka. Alors la fève de tonka, ça vient d'Amérique du Sud, c'est à mi-chemin entre l'amande et la pistache. Pour continuer, le rocher glacé à la gazette et enfin le croustillant avec ce biscuit au chocolat. Pour monsieur, la tentation de dessert. Alors je vais commencer en haut à gauche avec le jeu gourmand autour de la fraise gariguette de mendiant, de chibouste de fraises et de citron, triangle de sangria, les sorbets au thym citron juste à côté pour l'accompagner. En dessous, un croustillant à la framboise, des framboises qui ont été nappées dans une liqueur de framboise, touche subtile à l'avocat monté en meringue. Sur la droite, en bas à droite, un duo chocolat mangue accompagné d'un sorbet à la mangue. Juste au-dessus, la figue qui a été rôtie dans une goutte de miel accompagnée d'un biscuit de pain d'épices allégé à la crème de mascarpone, le sorbet au vin rouge et à la badiane. Et enfin, au centre de l'assiette, vous retrouvez l'entremets à la fève de tonka. Très bonne dégustation. On n'a jamais eu trop l'habitude de les travailler non plus, les crevisses à la maison. Ouais, non, c'est pas votre fournisseur. Enfin, là, c'était parfait. Puis la poularde de votre fournisseur. Nous, on a fournisseur.